Hop. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous tourner la vidéo des achats manga du mois d'octobre. Donc c'était des achats que je devais vous faire depuis un petit moment, mais bon j'ai eu quelques petits soucis, enfin pas des soucis graves, hein, je veux dire, c'est pas des soucis graves puisque j'ai recommencé à travailler, donc du coup j'ai moins de temps pour vous les tourner. Avant je voulais tourner en semaine, maintenant ça sera tous les week-ends et puis on verra quand je pourrai quoi, mais normalement pendant les week-ends ça devrait pouvoir se faire. Donc ça, donc là on va tourner les achats manga du mois d'octobre. Après je vous ferai la vidéo des coups de cœur du mois d'octobre. Donc normalement ça devrait être une vidéo que je devrais tourner maintenant. Après qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, la semaine prochaine je vais au Euro Festival, donc comme chaque année. Et ben, comme l'année dernière. Vous aurez ma vidéo sur le festival, sur ce qui se passe, tout ça. Donc je vais essayer de faire un peu moins de vidéos du festival parce que les vidéos sont quand même assez les mêmes chaque jour parce que le festival il change pas vu qu'il est que sur 2 jours, donc il n'y a pas trop de changements à part les venues des personnalités, tout ça. Mais cette année je crois qu'on a la venue de Vanra et en dessinateur en tout cas de manga. Et on a aussi l'actrice de Game of Thrones et Bernard Minet qui va venir. Donc voilà, ce sera que c'est que ça que j'ai retenu. Après il y aura peut-être plein de petites choses. J'essaierai d'aller voir le stand des jeux vidéo, le stand des... Bon après je serai aussi sur mon stand à travailler, mais je serai pas... Je serai là en tant que bénévole, mais bon, je serai là-bas, donc il faudra quand même que je fasse mon taf. Et après, quand j'aurai du temps, ben, comme l'année dernière, je vous ferai des vidéos d'interviews, tout ça, voir si c'est possible, et puis vous faire découvrir les stands avec les gens dedans, et puis voilà. Si, vu qu'apparemment la vidéo de Laïma, par exemple, ça vous avait pas mal plu l'année dernière, du coup, ben, je vous referai des vidéos comme ça, et puis on verra en fait, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Je vais faire un tour du festival et après je commence mes vidéos, j'observe, je vois ce qui se passe. Je vais aussi dans les endroits où il se passe des choses parce que si c'est beau filmer quelque chose où il se passe rien, ça sert à rien. Voilà, après c'est ça pour la plupart de ce qui va se passer. Et sinon, en 2018, normalement vous aurez de nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc ça va être plutôt des vidéos sur le jeu vidéo. Normalement je vais m'acheter une console pour la Noël, donc j'aurai la 2DS, donc je vais me reprendre une console. Et vous aurez des let's play, donc j'essaierai de vous faire des let's play assez sympathiques, pas des let's play ennuyants. Enfin des let's play comme moi j'aime en regarder sur YouTube, donc voilà, c'était pour un petit peu renouveler la chaîne parce que honnêtement je comptais arrêter la chaîne complètement, définitivement. Et finalement, je pense que ça va pouvoir nous donner un nouveau souffle et peut-être ramener un autre public, peut-être qui aime moins la lecture et qui aime peut-être plus les jeux vidéo. Donc je comptais faire des vidéos sur la même chaîne que Lecture Passion, mais finalement non, ce sera sur une autre chaîne. Je vais essayer de voir si je peux créer une autre chaîne pour le jeu vidéo, et si je peux pas, ben je posterai les vidéos en tant que vidéo de jeux vidéo sur la chaîne Lecture Passion. Mais je vais essayer de voir si c'est possible de le faire sur une autre chaîne pour pouvoir différencier les deux vidéos. Et que ça soit pas tout mélangé, que vous comprenez pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc cette parenthèse étant terminée, maintenant je vais vous faire la vidéo des achats manga du mois d'octobre. Donc en tout premier, donc je vais pas vous dire quand est-ce que vont sortir les prochains tomes, tout ça, je vais pas le faire parce que c'est pas des vidéos. Ça déjà c'était des vidéos que je voulais arrêter parce que je trouvais quand même les vidéos assez inutiles, vous dire ouais j'ai acheté ça, et je trouvais pas des vidéos assez intéressantes. Mais finalement je les garde quand même, mais je vais pas vous dire quand est-ce que va sortir le prochain tome parce que ça je vous le dirai dans les lectures manga. Donc voilà. Donc ça s'appelle Une vie au zoo, c'est le tome 1, c'est édité chez Nobinobi et c'est fait par Saku Yamura. Donc voilà, c'est Une vie au zoo, c'est un manga sur le zoo, donc c'est une jeune fille qui va arriver dans un zoo, qui va être engagée et qui elle a un don, elle perçoit les sentiments des animaux avec leur odeur. Donc voilà, c'est assez sympathique. Moi j'aime bien les animaux, je sais que quand j'étais jeune j'aimais bien aller au zoo, donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire et je vais me prendre le tome 2 quand il va sortir. Donc voilà, si vous aimez les animaux, si vous aimez un petit peu les mangas de que font Nobinobi, qui sont quand même des styles assez sympathiques et assez drôles à lire. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'histoire parce que c'est quelque chose qui se... C'est pas une histoire, dans ce tome-là, en tout cas dans la première histoire du premier tome, c'est pas quelque chose qui se conclut assez...
assez vite. Donc du coup, on a le temps de voir arriver les choses et le temps que la situation ne se résout pas en 5 minutes, elle se résout en plusieurs chapitres. Et à la fin, bien évidemment que c'est résolu, mais ça ne se résout pas très vite et on passe à autre chose. Donc c'est ça qui est bien, que j'ai bien aimé. Donc voilà, après il y a aussi des petites images avec les animaux qui sont quand même assez sympathiques aussi. Bon, c'est du nobinobi, c'est aussi enfantin, c'est pas des mangas avec du combat, des trucs comme ça. Donc ça c'est bien, moi j'ai bien aimé. Donc vous verrez que ce manga-là se retrouvera dans les coups de cœur. Donc comme d'habitude, Miki Yoshikawa, le tome 15 de Yamadeko and the Seven Witches, c'est une tiche Delcourt Tankam dans leur collection Shonen. Donc ça c'est toujours pareil, c'est les tomes que j'achète à la suite. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, j'attends le tome 16 au mois de novembre avec impatience parce que ce tome-là il s'est passé pas mal de choses, il y a des choses qui ont avancé, voilà il s'est passé pas mal de choses et j'ai bien aimé, surtout qu'il y a mon personnage préféré donc Kurosaki que j'ai bien aimé, et voilà je continuerai avec plaisir parce que ce manga-là, il se passe toujours quelque chose et c'est ça qui est génial parce que du coup, on ne s'ennuie jamais. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà. Ensuite, on a Le mari de mon frère, le tome 4, fait par Gengoro Tagame, édité chez Akata. Donc ça, c'est le dernier tome. Il était terminé en 4 tomes. Donc après, ce sera fini. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'étais un petit peu triste que la série se termine parce qu'elle aurait pu continuer. Mais malheureusement, l'auteur a voulu l'arrêter là. Donc pour lui, c'était la longueur qu'il souhaitait. Donc voilà, on va pas lui en vouloir. Ça fait déjà un manga qui se termine, on est content. Un petit peu déçu de se séparer de Mike, qui va s'en aller, qui doit retourner au Canada. Et voilà, des petites choses qui se passent, qui se concluent. Enfin voilà, c'est sympa, c'est une bonne conclusion. C'est des conclusions comme on aimerait en avoir plus souvent. Donc voilà. Voilà. Hop. Ensuite, on a le tome 3 de Après la pluie, fait par Jun Mayuzuki. C'est édité chez Kana dans leur collection Big. Donc ça aussi, je crois qu'on aura le tome 4 au mois de janvier. Donc voilà le tome 3 que j'ai lu ce matin, que j'ai bien aimé. Ça avance, ça avance. Il y a des choses qui se passent. Pour le moment, c'est assez calme. Mais ça avance quand même. Donc c'est ça qui est bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, par contre la couverture c'est pas ma préférée de tous les tomes jusqu'à présent. Bon, il n'y en a eu que deux, mais c'est pas ma préférée. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a mon coup de cœur de ce mois d'octobre, c'est Close to Heaven. C'est édité chez Pika Édition dans leur collection Shoujo et c'est fait par Rin Mikimoto. Donc voilà, c'est une histoire entre un personnage qui est atteint d'une maladie qui va mourir. Donc on va voir ça, cette histoire. Je crois qu'il est en 9 tomes ce manga. Et c'est un manga qui va parler de la mort, donc c'est quelque chose qui va aller jusqu'au bout. Donc au bout, on va avoir une histoire de mort, il y a un perroquet qui parle, il y a parce que la fille, enfin voilà, il y a une histoire avec la fille aussi, c'est un shoujo assez sympathique parce que le personnage du perroquet est aussi attachant, moi j'ai bien aimé l'histoire et surtout le dessin qui est assez sympathique. Et qui nous transporte carrément dans l'histoire, et c'est ça qui est bien. Donc, celui-là il sera dans mes coups de cœur parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, Lovely Fridays, le tome 7, fait par Arina Tanemura, édité chez Delcourt dans Tonkam dans leur collection Shoujo. Donc, ça c'est toujours un régal de les avoir. Bon, même s'il y a quand même de l'attente entre les tomes, même si quand même le prochain il sort au mois de janvier, donc il n'y aura pas trop, trop d'attente. J'espère qu'il va pas être trop poussé parce qu'à chaque fois ils sortent quand même assez tard. Mais bon, après, c'est toujours une bonne surprise et surtout, j'adore le dessin de cet auteur et j'adore sa série. Donc voilà, je la continue avec plaisir. Hop là, voilà. Très jolie couverture d'ailleurs. Ensuite, on a Don't Worry, Be Happy, fait par Kaori Oshiya et c'est édité chez Akata. Akata. C'est une romance entre deux personnages de deux mondes différents. Ça aussi, c'est assez sympathique, ça se lit. Dans ce tome-là, on a quand même des révélations sur le personnage, sur le président, qui était quand même assez mystérieux jusqu'à présent et qui là va se dévoiler. Donc c'est ça qui est sympa. Et puis on a notre héroïne aussi qui évolue, qui commence à se faire à l'idée, qu'elle commence à tomber amoureuse de lui. Et c'est un manga qui est
en pas trop de tomes, donc du coup ça va permettre de pas traîner sur une longueur. Et c'est normalement un shoujo qui est classé dans leur nouvelle collection Shoujo Feel Good, il me semble. Donc voilà. Hop. Donc le tome 11 de Rainbow Days fait par Minami Mizuno, édité chez Kaze dans leur collection Shoujo. Donc ce tome-là, ce tome 11, c'est vraiment un tome super génial parce qu'il s'est passé énormément de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Et honnêtement, c'est comme le tome 10 en fait. Il se passe des choses et il y a des choses qui sont dites. Et voilà, bon, il y a mon personnage préféré quand même, Marie, qui est présente, qui va faire une grosse révélation à la fin du tome. Et honnêtement, soyez là jusqu'à la fin du tome parce que franchement, c'est vraiment génial parce que voilà quoi, cette révélation, on s'y attendait pas, même si on s'en doutait un petit peu, mais voilà quoi, on s'attendait pas à ce que ça soit dit parce que nous on pensait quelque chose, mais au final, c'était pas du tout ce à quoi on pensait. Donc voilà, c'était génial. Et puis j'attends le prochain tome avec impatience, bien évidemment, le 13 décembre, il me semble. Il y a des dates que je vous dis parce que je les connais, mais bon, voilà, je ne vais pas tout vous les dire, je pense que c'est pas important de vous dire ça dans l'achat manga. Donc Koiforu Colorful fait par Aminase, le tome 4, édité chez Panini Manga. Donc ça aussi, une bonne suite. C'était sympathique. J'ai bien aimé. Bien évidemment que je le continuerai. Voilà. Hop. Alors Flying Witch que j'ai lu hier fait par Chihiro Ishizuka, édité chez Nobinobi. Donc ça, c'est la petite bulle détente de quand il sort pendant le mois. Et du coup, c'est assez sympathique, j'ai bien aimé. C'est des histoires qui se continuent. C'est pas un fil rouge, donc il n'y a pas une histoire à chaque tome ou une histoire qui se continue entre les tomes. Mais c'est des tomes qui sont assez sympathiques et qui se suivent. Donc voilà. Mention spéciale à la couverture qui est quand même assez sympathique pour ce tome 4. Et voilà, j'ai bien aimé, je passe à la suite. Ensuite, le quatrième tome de Cœur de hérisson fait par Nao Inachi, c'est édité chez Kaze dans la collection Shoujo. C'est terminé en 5 tomes, donc le cinquième tome on l'aura au mois de novembre. Donc voilà, ce tome-là il s'est passé pas mal de choses aussi. C'est une romance que je suis depuis le début et que j'ai bien aimé. Et le tome 5 ce sera la conclusion de l'histoire et j'ai hâte de la voir. Voilà. Ensuite, ça c'est tous les mangas que je n'ai pas lus. Donc on a Somalie, l'esprit de la forêt, le tome 3 fait par Yako Gureshi. Voilà, donc celui-là je ne l'ai pas lu, mais la couverture est quand même assez sympathique. Voilà. On a quand même un toucher assez spécial par rapport aux autres couvertures qui étaient quand même assez rugueuses sous le doigt. Et voilà, enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, de ce que je vois des images, ça me tente et je crois que ce sera ma prochaine lecture. Parce que je lis un petit peu plus doucement, mais je lis quand même. Hein. J'ai quand même lu 3 mangas hier, donc c'est déjà pas mal. Je vais pas tous les lire. C'est vrai que des fois, c'est assez embêtant de tout lire d'un coup. Parce que c'est vrai que des fois, on attend les mangas des mois et des mois. Et quand ils sortent, on n'a pas du tout envie de lire tout de suite. Parce que si on les lit tout de suite, après, il faudra attendre. Et voilà. Même s'il faut les lire quand même. Hein. Donc le tome 6 de Relife est par Yayoi So. C'est édité chez Kiun dans leur collection Shonen. Donc le sixième tome. Voilà. J'avais des doutes sur le fait qu'il sorte ce mois-ci, mais finalement il est sorti, tant mieux. Donc je vais pouvoir lire la suite. Voilà. C'est toujours aussi bien. Et n'oubliez pas que les couvertures se suivent et que si vous les mettez côte à côte, vous avez une frise. Ne l'oubliez pas. Voilà. Ensuite, on a Réalaconte, le tome 5, avec le logo de Instagram, il me semble. C'est fait par Okushu et Shizumu. Shizumu, c'est ça, c'est édité chez Kurokawa. Donc voilà le tome 5 que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire bientôt. Voilà, je vais vous montrer une deuxième image. Je vais essayer d'aller vite quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer. Voilà, ensuite. Le deuxième tome de Green Mécanique fait par Yanishin, édité chez Kiun dans leur collection Shonen. Ça aussi, je ne l'ai pas encore lu, mais je crois que je vais bientôt me le lire parce que j'ai quand même hâte d'avoir la suite et de savoir ce qui va se passer. Donc voilà. Ensuite, on a le troisième tome de Given fait par Natsuki Kizu. C'était chez Taifu dans leur collection Yaoi, puisque c'est un Yaoi, j'ai dit l'auteur. Bon, la couverture est sympathique, j'aime bien. Par contre, le tome est quand même assez. Enfin, il est assez petit au niveau de. Voilà.
Il y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de, y a moins de pages que dans les autres tomes qui étaient quand même assez remplis, mais bon, après, peut-être que. Il paraît qu'il se passe des choses dans ce tome-là. J'espère que ça avance, étant donné que c'est un yaoi soft, c'est pour ça que je le continue, parce que moi les yaoi, ou enfin, moi là où ils sont en train de se galocher, ça m'intéresse pas trop, c'est pour ça que je les achète pas, c'est mon seul yaoi que j'ai, et je crois que ce sera le seul et l'unique, parce que les autres ça me plaît pas trop. Donc voilà. Ensuite, il nous reste le. Hop, le. Le troisième tome de L'Enfant et le Maudit fait par Nagabe. Donc Nagabe, toujours des jolies couvertures. Chaque fois on est dérangé. Bref, donc j'ai été au troisième tome de L'Enfant et le Maudit. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous. Enfin, voilà quoi. Toujours nous faire chier. Bref, Nagabe, L'Enfant et le Maudit, ça c'est bon. Voilà. Je vous ai dit que c'était édité chez Komiku, hein, c'est toujours pareil. Voilà, donc Kazané, le tome 10, édité chez Kiun dans leur collection Seinen et c'est fait par Daruma Matsura. Je le savais en plus que ça en allait nous faire chier. C'est pour ça que des fois j'essaye d'éviter, mais je peux pas, malheureusement, je peux pas faire comme je veux. Donc Kazané, le tome 10, celui-là non plus je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte parce que dans le tome 9 il s'était passé des choses. Et voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Et je crois que c'est tout. On a fini pour les achats manga du mois d'octobre. Donc voilà, j'ai acheté que ça. Après, je crois qu'il m'en restera un, mais je vous le présenterai au mois de novembre. Voilà, parce que je ne l'ai pas ici. Je l'achèterai au mois de novembre, il m'en manque un. Voilà, je vous ai tout présenté. Là, je vais arrêter la vidéo puisqu'elle est terminée. Moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Comme d'habitude, vous me dites. Si vous voulez qu'on continue ces achats manga, on les continuera. Si vous voulez qu'on les arrête, on les arrête. Il n'y a pas de souci. Sachant que c'est des vidéos un petit peu chiantes, hein, parce qu'on vous dit, voilà, j'ai acheté ça, voilà, j'ai acheté ci, tatati, tatata. C'est pas des vidéos très intéressantes, à part si vous voulez voir à quoi ressemble le manga. Mais bon, si vous voulez voir à quoi ressemble le manga, vous allez sur internet et vous faites votre petite recherche. Il n'y a pas besoin qu'on vous montre les mangas. Après, si vous voulez qu'elle continue, il n'y a pas de souci. Moi, je verrai par rapport au nombre de vues. Voilà. Sachant que voilà, la vidéo est terminée et que moi, je vais passer à la suivante. Donc, les coups de cœur manga. Et je crois qu'il y aura 6 mangas à vous présenter. Donc, voilà. Moi, je vous dis à tout à l'heure.